Voilà, bana mboka mboye malamu mbote mingi na bino nyonso bozuli bakuya kozala branché connecté na www.congodialogue.com si ta bonne manière. Et puis merci de pouvoir choisir cette émission Espace Dialogue avec moi Josué Bolo à l'international. Merci à la coordinatrice Francine Ngembe, la grande dame de la Belgique. Merci aussi à toute l'équipe technique dirigée, coordonnée par Jean-Marie Poupa ici en direct de l'Afrique du Sud. Voilà. Ça barde encore, ça boum comme on dit en anglais. La situation politique va toujours de petit à petit. Ampleur moko, jusque là nous n'arrivons pas à comprendre. Tout comme un état moko, on ne sait pas si on fait dire que la dernière heure, hein, les temps de jugement, les jours de jugement, la RDC, situation politique, ils ont tellement critique. Ils ont singapé, éducation moko politique, na bato mutuzo salabango. Parce qu'il y a tant de questions qui se posent actuellement. D'un côté, actualité, nationalité, de l'autre côté, machine à voter. Si c'est à voter, donc on n'arrive pas à comprendre l'invalidation, tout ça. Alors j'ai le réel plaisir d'être toujours honoré comme d'habitude. Yakoyamba, moi Namboka, alors toujours je suis en vie. Manzamatia, Yabangane Mamontote, à la personne de son excellence, monsieur Kilele Djemadari, Otto Solanel, Isusu, Nandenge Makambozo Kenavitesboué. Bienvenue, son excellence, monsieur le président Kilele. Merci pour l'accueil sur votre plateau. Et bonjour à tous les compatriotes, partout où ils se trouvent. Mbote mingi, amjambo. Merci beaucoup Nabino Nyonso Bozi toujours libaku ya kokomela biso pe bozo continuer kolanda biso. Monsieur Didier Kunga na Nira Suisse, il a dit ceci monsieur le président. Que pensez-vous? Il veut juste savoir votre pensée concernant les fonds communs. Les fonds communs que la majorité basangani babimisi Emmanuel qui Chadari. De un, de deux, il voulait dire que pense-t-il de nos candidatures de Kabila et l'alternance pacifique à venir au pays. L'opinion militaire, est-ce que c'est une bonne solution? Il y a deux questions là, je pense, ou trois. Le Front commun des Congolais, on peut ironiser, c'est le forum des cons congolais ou des Congolais cons. Dans la vraie signification des FCC. Oui, des Congolais cons. Vous voyez ça? C'est un panier à crabe. Oui, il y a un crabe. Oui, des pinces comme ça. Ils vont se pincer et ils sont en train de se pincer. C'est un forum de criminels qui savent très bien que leur période est arrivée à échéance. Le peuple va les balayer. Quoi qu'il arrive. C'est Mobutu qui le disait, Dio. De la tribune des Nations Unies le 3 octobre 1973 que contre vase et marée devant l'ouragan de l'histoire un fruit mûr ou pas mûr il tombe quand même. Mobutu avait dit ça. Mûr ou pas mûr, le fruit tombe quand même quand le vent souffle. Le vent congolais et ancestral souffle et ce fruit qu'il croit qui est encore vert, le fruit des francs communs des cons, va tomber, qu'il le veuille ou pas. Nous en avons marre de ces gens qui sont allés dans les extra miles, ils sont allés dans au-delà de limite, la mi-temps, l'extra mi-temps, des gens qui se sont maintenus au pouvoir 2 ans après leur échéance, vous avez. Les parlementaires, vous avez les sénateurs, vous avez des ministres qui forment le cabinet et leur soi-disant président. Mais ces gens, Basil Saka Manana Bango Zaki Koutou Bangote, parce que personne ne les a jamais votés. Mais Bazouko Yoka Sonite, depuis 2016, il continue. Mais le peuple en a marre. Donc, forum wana ezali forum ba conspirateurs des gens qui ne peuvent pas se créer l'emploi et qui croient que il n'y a que dans la politique où l'on peut mieux vivre parce que la politique ne fait pas un bon checking pour voir qui travaille dans notre pays il n'y a pas de redevabilité on vole on n'est pas redevable vis-à-vis du peuple vis-à-vis des pays mutunyo so oya koyiba abimi azarambo. A quoi ça m'a pas un musicien, comme il y a un baillet, à aucun parlement. T'as là, tout le monde a un parlement. N'a pas si n'a pas mis bali. Au commun, on a toujours bango, basali wana. Pendant que quelqu'un est en train de donner une motion ou en train de parler, ils sont là dans la carte de ma téléphone.
ba parlementaire ba mususu omona kiti boye na si akiti azo soit ko téléphoner nzele makango ceci cela, ils ne vont pas travailler au parlement à 10h déjà okomona bango bazana wenza Jakarta hein bazali bazali bazana katia ba ba, ba hotel ya busotwana bango na basi na bango tu bazaba bula hein baza tinate hein? On n'a pas besoin de ba milaso de paresseux. Alors il faut l'extra time, il y a politique et ils veulent former une équipe de dernière minute front commun des Congolais. Ba Congolais nini bazana katiwana, ce sont toujours les mêmes têtes, le même conspirateur, les ennemis du peuple. Et le peuple doit tout faire pour tout boum. Que pensez-vous de la non-candidature du président Kabila, de mine de M. Joseph Kabila? Qui a besoin de sa candidature? Qui a déjà eu besoin de lui au Congo? Est-ce que c'est par manque de compétences qu'on devait amener un sireur de chaussures, un chauffeur de taxi-bus au Congo? Qui a besoin de lui? Il a quelle qualité de gestionnaire, quelle qualité de politicien pour être président? Azali, eloko yo bakino babenga bayemba chance eloko pamba. Quelqu'un qui est parachuté comme ça de la nature honteuse, aïe, il est au Congo, et voilà, il devient président. Donc on n'a pas besoin de sa candidature. Nous savons que c'est lui qui est là parce qu'il n'est pas parti. Dans son discours à Windhoek, il a dit à bientôt. Il n'a pas dit au revoir et adieu. Et dans son discours surprise, il avait dit, les gens croient que moi je dirais, comprenez mon émotion. Je ne dirais pas ça. Voilà, tout est dit là-bas pour dire qu'il ne part pas. Et s'il ne part pas, c'est parce qu'il connaît qu'il est soutenu par la communauté internationale. C'est nous qui nous lérons en disant que non. Et si est-ce, parce qu'il y a une pression chez nous au pays, par le peuple, parce qu'il n'y a pas d'opposition au pays, l'unique opposition au pays, c'est le peuple. C'est l'unique opposition que nous avons au pays. Le reste. Dans les Jean-Pierre Bemba, le Vital Kamere, le Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moka, le Cheo Komba, tous ces listes à moi, Moulaï, ainsi de suite. C'est Moïse Katumbi, il fallait que tu aies un soir, on ne sait même pas. Donc, bah, on y a un soir, donc il n'y a pas. Il n'y a que tu as un soir, en Belgique, pour que tu aies un soir, pour que tu aies un candidat. Tu as un soir en Belgique. Belgique, tu as un quartier général, il y a un malfaiteur. Vous ne connaissez pas pourquoi la Belgique. Et c'est la capitale, il y a une union européenne. Vous ne connaissez pas. C'est là où se trouvent les mauvais esprits des Illuminati. Vous y habitez. Il y a qu'à Bruxelles. Est-ce qu'on ne peut pas à nous-mêmes prendre une décision pour arranger notre pays chez nous au pays? Nous devons nécessairement aller à Bruxelles, sachant le mal que la Belgique a commis et continue à faire contre les Congolais. Et là, qui c'est que Tozali Tinate? Tu me parlais donc de l'opposition. Il n'y a pas. Félix Tshisekedi, oublie. Aza Motuna Bango. Si on a invalidé la candidature Moussousou, pourquoi pas yé? Parce qu'à part le règlement, on devait aussi voir Batia, dans le règlement Moussousou, il y a moralité. Vous voyez ça? Candidature Moussousou, il y a moralité. Comment ça? Il est connu que ce garçon. C'est un voleur, pour utiliser le terme congolais, c'est un frappeur. Vous voyez ça? C'est un frappeur. C'est un voleur d'argent, c'est connu partout en Europe, à travers l'Europe. Mais à part ça, c'est bien écrit et c'est bien dit dans les journaux que c'est un tricheur, c'est un fraudeur qui a déposé faux CV, n'a pas faux diplôme. Mais c'est quelqu'un qui devait être disqualifié d'office. Si l'on doit disqualifier Moussousou, Jean-Pierre Bemba, qualifier, je ne soutiens pas les autres, Moussousou, mais lui qui va déposer fausse CV, il n'a pas étudié, le fils d'un premier ministre à répétition qui a passé tout son temps en Europe pour se la couler toute douce, et qui, au lieu d'étudier, être le modèle d'instruction comme son père, il a passé tout son temps à être livreur de pizza et à être frappeur dans des banques. Mais il fallait qu'on le disqualifie.
J'irai juste là-bas, je l'ai dans le dossier, bah, t'as la source d'un diplôme, toi. C'est pour te dire que c'est un pion qu'on est en train de préparer par les ennemis du peuple congolais et du Congo. Vous voyez ça? Bah, il y a que ce qui n'est pas peuple, bah, chassé, bah, so combattre Moïse Katumbi. L'unique chance des impérialistes demain, tu sais que tu penses qu'ils se disent non, au moins, Azali, moi, Namboka. On peut accepter. Mais entre-temps, bah, qu'on lave le cerveau, et il sera toujours un traître. Bah, moi, déjà que Mbemba, toi aussi, tu donnes ce bilan comme Mingi contrayé, et puis le dossier pèse lourdement. Contrayé, à partir, il y a ces pays, et Sika Kenda. Donc, il n'y a pas de véritable opposant, ce sont tous des conspirateurs. Parce que, du coup, comme ça, t'as là, Félix Tshisekedi, Azale Kosalate. Du coup, Basengi, Batouba déposé ma candidature, a juste 100 000 dollars. Il a juste 100 000 dollars. Il y a un atout dans la mission, le caca président. Puis, le téléspectateur, Didi Azana, si ma caméra a tout n'a qui. 100 000 au même, opposant nos bazuana, bazumbo, en wap. 100 000 dollars, wap. Ce qui est prioritaire pour lui, c'est déposer la candidature. Pourquoi ne pas d'abord rapatrier le corps de son père, ou comme il est un pied d'un frigo, ayant à nous autres, à papa, n'aïe à. C'est ce qui devait être prioritaire qui nous amène le corps de notre compatriote, son père, au pays. Dans 100 000 euros, pour s'y avoir candidature, pourquoi pas être dépensant pour corps à côté. Il y a un accord de l'Europe jusqu'à chez nous, ils allaient à 10 000, 15 000, sauf qu'ils allaient plus cher, 20 000 euros ou bien dollars. Mais 100 000, à Zouelangouap. 100 000 dollars. Dollars. Bâti, on a la poche, pas à Kanambe, on a tout, on a l'art, on a pas à Kanambe, on a pas à l'impérialiste. Pour aller créer l'imbroglio, qu'on fasse semblant d'une opposition qui n'existe pas. Et on sait très bien que c'est Kanambe qui fait ça et ce mentor. On sait ça, Mobutu a fait ça à l'époque pour chercher à saboter l'IDPS à l'époque. Il a créé ce qu'on a l'habitude d'appeler les partis alimentaires. A Pessi Pessi, Kengo, Bango, tout, Komaka, opposant. Bango, tout, Bazoakara, parti Mobutu, a Pessi, Bango, tout, l'art. Pour casser la force de l'IDPS. Mais c'est la même chose. N'oubliez pas que les conseillers, les gourous politiques des politiques kanambe, ce sont les Mobutistes. Ce sont des héros dans l'ombre. Ils sont là. Les Mukulu Mpombo, ils sont là. Les Kengwa Dondo, ils sont là. Donc, c'est la répétition de ce qui s'est passé. Qui a Biboara? Donc, Ezali Kanambe qui est là. Kanambe ne partira pas. Parce que nous sommes en train de rêver. Il nous a dit, il nous a donné l'option. Si vous croyez que je vais lâcher le pouvoir, oubliez. Aussi longtemps que vous ne me donnez pas, vous ne mettrez pas une dalle dans la tête, une balle dans la tête, je ne partirai pas. Mais c'est sorti de sa bouche. Kanambe Lubaki, il faut tout mettre à Massasse pour attirer le pouvoir. Mais il a tout dit. Ça signifie, ceux qui se précipitent dans l'élection, ce sont des complices, ce sont des acteurs d'une comédie quelque part. Parce que lui-même avait dit, aussi longtemps que vous bêtiez, vous bêtiez balleté. À Kolongwate. Alors, mais Hippolyte, Nani, Jean-Pierre Bemba, Ayebi le Lobawana, Félix Tshisekedi, Ayebi le Lobawana, Vital Kamerhe, Ayebi le Lobawana, Fayulu, Ayebi Malobawana, Vital Kamerhe, écoute tout le monde, parce que Kamerhe, c'est le père spirituel de Kanambe. Père spirituel. Mais comment? C'est lui le créateur, c'est lui le Dieu, c'est lui qui l'a créé. Politiquement. Et lui a été créé par Femouchoumé, quoi. Qui n'était pas congolais, qui était rwandais. Voilà ça. Donc, le reste, Bayebi, ce qui se passe, il se précipite pour devenir des candidats. Alors que Bayebi, Moninga, il faut que vous mettez un balle. Ce qui vous mettez un balle, c'est un pouvoir. Alors, un Congolais normal, mais ne devait pas aller déposer la candidature. Il ne devait pas. Un Congolais qui n'est pas traître. Ne pouvait pas déposer la candidature, ne pouvait pas se précipiter pour les élections. Il fallait se retirer, comme l'avait dit mon confrère Ngwanda. Il avait donné cette proposition à l'époque, bo saboter ba institution. Bino bozaba ministre ba congolais, bo longwa na ki ministre. Bino bozaba parlementaire, bo longwa. Bino bozaba sénateur, bo longwa. Bino pe bolingi bo sala bo déposer candidature, bo longwa. Totala, soki akosala nini,
na ki président yango soki bino tout bolongo na cabinet ministériel na parlement bolongo na sénat a okimate okimate ça n'est pas arbitre dans la carte à stade les deux équipes payées bon soki ba équipe le même en tout cas ngana ngi arbitre te équipe na longo arbitre à quoi arbitrer pelouse ya pamba à quoi tu gagnes pas au vestiaire sili mais parce que le koso ya mbongo hein moyibi to sana yango le kutana tungi to la telamba tolingi ba yemba biso to fandi kaka wana président merci beaucoup naibi que vous en entend mingi te pona biso lelo on aura plus le temps de développer yango ya moto libéo président ils appellent une de dernière question ya ndeko Didier na niveau suisse alobi tout n'est l'absolu monsieur président avec tous les savoirs que le président a pourquoi ne pas rentrer au pays à partir des Suisses et pourquoi ne pas rentrer au pays pour aider sa patrie comme Elikia Mbokolo et Abaki Sinasuka na moi mouke présent perso idéologie en fait Tezanini avec ba savoir en Suzanne Ango pourquoi ne pas retourner au pays pour aussi contribuer à toute cette connaissance que vous avez. Merci. Cette lutte se mène sur plusieurs fronts et toute lutte se mène sur plusieurs fronts. Il y a les combats physiques corps à corps. Il y a armée qui malheureusement ils ont se déroulé dans le Congo parce que nos troupes sont des armées et notre peuple, nous les peuples nous sommes des armées. Il y a les combats médiatiques, ce que les journalistes engagés sont en train de faire. Les combats intellectuels, ça inclut tout ça. Ceux qui écrivent, écrivent. Les écrivains, tout comme les journalistes. Et puis il y a cet affront médiatique toujours ça là, Awa. C'est un combat. Je pense que je contribue, tant pis que soit, dans le combat. L'engagement n'est pas nécessairement celui qui doit être physique au pays. Comme je le disais, pour me répéter, que les combats se déroulent sur plusieurs fronts. Et c'est ce que je suis en train de faire. Le moment venu, si la mort ne m'atteint pas si tôt, je rentrerai. Mais nous ne sommes pas sur un terrain d'échange intellectuel et de comparaison. Comme il vient de le dire, je le lui concède que les confrères que j'ai accrochés la fois passée, Elikia Mbokolo, est rentré. Bon, il n'est pas l'exemple du combat au pays, parce que bien avant lui, quand il était en France, on n'a jamais entendu parler de lui. Il tenait sa chaire universitaire, ça suffisait. Il est rentré parce qu'il est corrompu. Et c'est ce que j'ai dit. Parce qu'un intellectuel normal ne peut pas venir soutenir une charte d'occupation du soi-disant Front commun des Congolais, sachant que les animateurs de ces fronts, ce sont des conspirateurs. Ce sont des inhumains, ce sont des tyrans qui ont maintenu les Congolais dans l'inhumanisme, dans le néocolonialisme, et que lui, qui se dit et conduit intellectuel, vienne y apposer sa signature. Et là, ça a été ce que j'ai appelé la fois passée une déchéance intellectuelle. Que quelqu'un, comme qu'il est, s'il devait rentrer depuis longtemps, allait le faire parce que, mon Dieu, pour ne pas me taper la patrie, mais combien de fois j'ai été contacté? Soit pour aller me tuer, soit c'était original. Mais d'abord, commençons par avec le fait Laurent Désiré Kabila. C'est dans cette parcelle où il a envoyé des gens que je ne peux pas citer. Certains sont déjà morts. Le général Ilunga était venu ici à l'époque avant qu'il ne rejoigne les RCD Goma. Il était avec moi ici, là où je suis avec toi, chez moi. L'État Mangasa était ici avec moi, dans cette parcelle. Et beaucoup d'autres gens. L'ambassadeur du Congo, Emmanuel Ndungia, qui était à Pretoria, venait ici à tout moment pour me prendre afin que je puisse rejoindre l'équipe ministérielle. Je refusais. Je voulais voir la maturation de cette démocratie, où elle allait. Malheureusement, ça a été une démocratie mort-née. Et le président était mort, était tué, vous voyez ça? Et même le voyou du président qui est là-bas, mais il a envoyé beaucoup de gens, mais il m'a téléphoné, mais j'ai même sa lettre, Hippolyte Gadjamere Kanembe, mais je connais. J'ai refusé d'y aller parce que j'avais vu, ça ne garantit pas
le futur du Congo de Lumumba, du Congo de nos ancêtres, du Congo de Kimpavita, du Congo de Kasavubu, du Congo de tous ceux qui sont tombés sur les fronts de la résistance et de la bataille. Nous sommes le continuum de nos ancêtres et nous allons continuer. Alors, quelle idéologie que je mène? C'est le nationalisme congolais. Je suis un patriote. Je ne dirai pas assez. Dans le patriotisme, il y a la démocratie. Dans le patriotisme, il y a le républicanisme. Malheureusement, on voit le patriotisme et le nationalisme d'un mauvais œil comme étant un chauvinisme de gens qui ont mordu trop à leur nation et qui veulent faire table rase d'autres gens qui viennent plus près de lui ou d'eux. C'est le contraire, parce que tous les pays qui se sont développés n'ont utilisé que l'idéologie du nationalisme. Ce n'est pas du communisme, et même le communisme a développé certains pays. Qui dit patriotisme ou nationalisme dit l'amour du pays, la passion patriotique. Et c'est ce que je dis, pour moi le Congo c'est une passion. Et je vais continuer à en parler avec les envolés, que cela fasse mal à ceux-là qui croient que je suis ivre ou je suis un mythomane ou utopiste. Ils passent leur temps, je reverrai toujours de ce grand Congo, cette grande étendue que les ancêtres nous ont léguée. Et que cela fasse mal aux jaloux et à Kagame et aux autres, le Congo demeurera le nôtre. Nous allons le récupérer. C'est le Congo de Lumumba et des ancêtres. Merci à vous, téléspectateurs. Vous pouvez aussi les faire. Comment ma question Nayo, faites-nous savoir ce que vous pensez de notre pays. Je vais amener vos questions chez monsieur le président qui est le président national congolais en direct Johannesburg ici en Afrique du Sud. Vous avez compris son idéologie. Vous avez compris la répondu concernant l'invalidation, concernant la double nationalité qui frappe la crise, qui frappe entre guillemets les opposants aujourd'hui. Tous ces temps-là, où étions-nous? Où ces temps-là, où vous étiez-vous? N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous parlons de la nationalité. Hein? Donc, comprenez. Il a aussi répondu concernant la question des fonds communs, n'est-ce pas, de Congolais. Donc, est-ce que c'est un avenir pour le pays? Élection ou pas élection, la situation politique a vraiment dégradé et nous traversons une crise politique. Tout le monde le savent. Un dossier à suivre. Merci. On se retrouve la fois prochaine. Bye.